ici c'est une courgette butternut, butternut, comme ils disent les anglophones. Alors c'est un fait purement du hasard. Je suis en train de préparer ces carrés potagers là que j'ai fait avec des tôles qui sont restées de mon cabanon que voici. Alors ce sont ces mêmes tôles là que j'ai fait ce carré potager et j'y mets tout ce qui se décompose, tout ce qui est organique. J'ai commencé avec du bois, avec de la tonte de gazon et tout ça. Et j'en suis arrivé à à planter finalement, parce que quand j'arrangeais, ça c'est derrière la maison, hein, quand j'arrangeais l'endroit pour les fleurs, il est arrivé que je prenne de, vous voyez, c'est le sol, hein, donc des terres, hein, c'est la terre. Alors j'ai mis ça ici et en dessous là, c'est en train de se décomposer, vous voyez là. Ça c'est la tonte de gazon. Il y a mon voisin aussi qui me donne. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que je pouvais mettre certaines plantes. Comme ça par exemple, ce sont des patates douces. Hein, j'aime bien manger les feuilles. Voilà, ça tient. Alors j'avais décidé aussi de mettre la courge butternut. J'avais mis quelques graines. Il y a une seule qui a répondu présent ou présente. Et tout ça c'est une seule graine. Les autres, je crois qu'elles se sont aussi décomposées, comme la tonte de gazon, comme les... vous voyez, j'y mets même des cartons. Et depuis qu'elle a commencé à prendre, elle est tellement en bonne santé que je n'ai pas voulu comment dire, continuer à mettre la tonte de gazon, parce que ça va brûler, ça chauffe, hein, la tonte de gazon. Donc voilà, elle est en dessous là, il y a... Ça c'est 2 inches. Hein? 2 inches? Non, 2 feet plutôt. 2 feet. Je sais pas comment transformer. Bon, vous faites le calcul. 2 pouces ou 1 pouce? 1 pouce? Je sais pas. 1 inch en décimètres, ça fait 2,4, hein, je crois. Je crois. 24 cm. Alors là j'ai 2 feet qui fait 12 x 2 fait 24 pouces. Vous pouvez multiplier ça fois 2,5, vous trouverez en centimètres, et même convertir en mètres. Si je me trompe, vous pouvez toujours corriger, hein. Bon, ça fait très longtemps que j'ai utilisé les décimètres. Alors, il y a juste presque un peu plus que la moitié, c'est le compost qui est en train de se faire. Donc, c'est en train de cuire là-bas parce que ça fait chaud. Hein. C'est la tonte de gazon, le bois et tout ce que c'est de compost. Et par la suite, j'ai appris, hein, depuis l'année passée, que la courge butternut, elle se comporte très bien sur du compost. Donc elle est très gourmande. Voilà, j'ai mis quelques graines, une seule a pu prendre et ça commence à aller. Et vous pouvez voir, donc c'est un carré potager que je faisais pour l'année passée, pour l'année prochaine plutôt. Mais voilà que cette année déjà, je peux espérer avoir un bon fruit. Voilà. Déjà que les fleurs apparaissent déjà.
Et comme vous pouvez voir, elle se détend vraiment. Hein. Elle prend vraiment de l'espace. Et j'ai plusieurs têtes. Bon, je les ai toutes dirigées vers ce côté parce que de l'autre côté, je suis en train de passer avec la tondeuse. Donc, vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 têtes pour un seul pied. Et il y en a d'autres qui sont en train de. Vous voyez là, qui sont en train de. Voilà, par exemple là, c'est une autre tête. Donc ça va en vrille vraiment, ça va dans toutes les directions. Et je tente, comme je peux, de les rediriger. Mais j'aurai du mal parce que elle se comporte vraiment très bien. Le fruit, il est très riche. Les gens aiment ça, moi aussi. Mais chez nous, hein, quand je dis chez nous, bien que américain, je suis d'origine congolaise et Luba, hein, donc la tribu Luba. Chez nous, on mange les feuilles. Donc les feuilles aussi sont comestibles. Comme les feuilles de ça aussi, hein, on mange aussi les feuilles. Comment préparer? Je crois que je ferai une vidéo là-dessus, peut-être le jour où je vais préparer, mais c'est très bon. Souvent, ceci est associé à la marante et c'est très bon. Je vais vous montrer comment on fait chez nous. Ok, j'ai deux chez nous. Donc voilà, le conseil que je vais vous donner, si bon, je suis pas un professionnel, hein, c'est par rapport à mon expérience. Le conseil que je vais vous donner, c'est planter ça, planter la courge butternut si vous voulez, sur du compost en formation, encore en décomposition, et vous allez voir que ça va vraiment prendre. Et je peux vous assurer que ici je n'ai rien mis comme engrais chimique ou quoi, je n'ai rien mis, rien de rien. Donc c'est un peu comme là-bas. Je fais juste ça, là, le compost. Et ce qui vient de la cuisine, vous pouvez voir. Hein, ça, c'est une tomate qui vient de là. J'ai vu qu'il y a un petit rongeur qui a rongé. Alors, je n'ai pas voulu consommer ça avec le rongeur. Je viens déposer ça ici. Ça a mûri. Et puis, ça va se décomposer. Donc, tout ça, ça vient de la cuisine. Et voilà. Et tout ça, vous voyez là, ce sont des tomates. Ce n'est pas non plus pour planter des tomates ici. J'ai mis des tomates comme ça, hein, ici, et ça prend. Et je sais que je vais en prendre. Alors, cette année, contrairement à l'année passée c'était essentiellement la passion. Cette année, j'y ai mis un peu de l'esthétique. Vous voyez, je suis en train d'aménager. Ça, c'est derrière la maison. Je suis en train d'aménager pour que ce soit un bel endroit où on peut rester, prendre sa bière, recevoir les amis. Vous voyez, là, j'ai fait une fontaine. Alors, cette année, j'ai ajouté cette touche-là. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Vous voyez, c'est pas encore fini, mais bon. Cette année, j'ajoute ça. Et j'ai remarqué que je pouvais aussi faire l'argent. Les gens qui viennent d'Afrique, notamment, et ils viennent ici chez moi, ils prennent la marante, les feuilles de patates douces et tout le reste. Et ils me donnent de l'argent. Jusque-là, j'ai eu pratiquement 50$. Voilà, pour rien, hein. Parce que je le fais pour moi-même et je sens que je peux faire aussi l'argent. Donc, au-delà de la beauté, au-delà de la passion et de tout, le ciel est bleu, hein. Au-delà de tout, on peut aussi faire de l'argent. Et je crois que l'année prochaine, je vais encore intensifier sans pour autant
compromettre le côté esthétique parce que j'y travaille et ce n'est pas mal jusque-là. Donc je compte mettre à profit tout l'espace que j'ai ici et même derrière ce cabanon que j'ai construit moi-même. Je vais mettre tout ça en valeur et je crois que je vais j'aurai gain de cause. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous avez de petits, je n'allais pas dire petits parce qu'il y a des gens, il y a des rageux par ici. Alors si si vous avez des conseils à donner, vous me les donnez et j'en prendrai compte. Donc merci à vous et à la prochaine. Bye.